Bonjour à toutes et à tous, et on continue quatrième épisode de ce Pokémon bleu. Après avoir essuyé une cuisante défaite face au dresseur JR juste avant Carvin-sur-Mer, j'ai été faire un petit peu d'entraînement de mes Pokémon dans les hautes herbes. Nidoran est maintenant au niveau 15, Piafabek, Miaouz et Rattata sont au niveau 14, donc normalement on devrait avoir un peu moins de problèmes. On va reprendre notre chemin direction Carvin-sur-Mer. Donc on va refaire un petit peu de la route qu'on a déjà faite. C'est pas grave, de toute façon on n'a pas raté grand chose. On va descendre en bas. Donc à la pension, il y a toujours notre sablette. Donc le souterrain. Ah, je me savais bien qu'il y avait un truc qui traînait quelque part, hein, spécial plus. Voilà. Donc, ici, on a eu. Donc on a Miaouz qui apparaît, donc on l'a déjà, donc on va pas le capturer. Donc ici on avait été un petit peu confronté à des dresseurs un petit peu foufou. J'avais même passé un peu outre certains dresseurs. Donc je vais peut-être en battre quelques-uns avant d'aller à Carvin-sur-Mer. Je vais les garder en fait. Je vais pas les utiliser tout de suite. Sauf lui, que je vais croiser. Et je t'ai jamais vu dans le point. T'es puissant? Bon. Essayons. Ah! Les scouts! Oh! Un papillusion! Oh là 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 là! À la vache! Un choc mental, ça c'est du lourd! C'est du lourd! Ah, on est dans la merde! Encore un. Aïe aïe aïe, catastrophe! Ah, là, il est puissant ce choc mental. Donc ça va être un petit peu compliqué. On va essayer de l'avoir quand même. Hein. Oh là 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 là! On va perdre combien de Pokémon là-dessus? Oh oui, oh oui. Oh là là là, la catastrophe! Oh là là, empoisonné! Ouais, donc deux Pokémon HS avec face à ce Papillusion. Bon, il est vraiment super puissant, donc on va s'en débarrasser. Oh non! Putain, c'est pas possible! Allez, un somme, on change de Pokémon. Oh mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que c'est que ces attaques de merde? Oh putain la vache! Allez, débarrasse-toi de ça! Putain! On va pas s'en sortir là! Ça commence très mal! Ça commence très très mal! On en est obligé d'aller venir à Pikachu! Ouf! Bon, c'est très efficace, j'aurais dû commencer par là tout de suite. Pikachu monte au niveau 18, et bah tant mieux! Et bon, là, avec Scout. Wow, trop puissant. Oui, mais toi aussi, hein. Ton papillon est vraiment super. Alors, voilà notre dresseur qui nous a fait un petit peu faux bond tout à l'heure, qui nous a eu... Enfin, tout à l'heure, pour vous, peut-être. Je sais pas si vous avez regardé juste avant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, là? Ah, j'envoie un perf avec qui fait la sieste. Ça commence mal, on va aller rappeler ça tout de suite. On va faire appel à Pikachu. Ça paraît logique. Ah, Pic, c'est pas très efficace. Par contre, éclair, c'est très efficace. On va s'en débarrasser en moins de 2. Ah, il est paralysé. Allez, on s'en débarrasse. Ça, c'est fait. Boum. Ratatac. Ah oui, c'est vrai qu'il était fort ce Ratatac. On va s'occuper
de ça, hein, écoute. Hein. Je sais qu'il a une attaque qui est très forte, hein. Croc de mort, c'est une excellente attaque. Ouh la vache! Oui, c'est vrai qu'il avait détruit en un coup aussi, je crois, la dernière fois. On va s'occuper de ça avec Fouelian. Ouh là 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 là! Il va plus vite! Bon, je l'avais pas tout à l'heure, hein, Hermisa. Allez, débarrasse-toi de ça. C'est bon, c'est fait. Voilà, on est maintenant arrivé à Carvin-sur-Mer. C'est impeccable. Voilà. C'est plus rouge, là. As-tu vu l'océan ou pas? Oui, ça, c'est le bateau, certainement. On va soigner nos Pokémon malades. Et donc, ici, à Carvin-sur-Mer, on a donc l'arène électrique du Major Bob. Et je sais pas si on est prêt. Hein. Je sais pas si on est prêt. Alors, je sais plus ce qu'il y a là. Ça, c'est la pêche. Une petite cam. Ça, c'était pour piocher un Magikarp. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un pied fermé contre un cartichaud. Ah bah oui, tiens. Voilà, pied fermé. Alors les Pokémon évolués montent beaucoup plus vite. Bon, pied fermé, j'en recapturerai un autre une fois. Hein. Les trucs Game Boy. Voilà, donc nous avons fait l'échange et nous avons maintenant un Julio, donc un artichaut, 631, donc niveau 14. Il n'a pas de forme évoluée qu'un artichaut. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose. Hein. Ah, la bicyclette. Allons-y. Donc l'arène Pokémon est en dessous, mais il me faut la CS Coupe. Vous savez pourquoi je peux pas y aller, assez à se couper à bord du Sainte-Anne. Hein. Bah, appelez l'Océane. Ils ont appelé ça l'Océane. Donc, bah, on va y aller. Hein. On va aller à l'Océane. Allons-y. Sacha montre son pass et crâne à mort. Et nous voici à bord du Sainte-Anne. Et voilà, maintenant c'est parti. On va faire plein de batailles à bord du Sainte-Anne. Pour gagner du pognon, de l'expérience, parce que là, bah oui, les niveaux sont assez élevés. Donc il va être temps qu'on se rattrape tout de suite.
parce que le niveau est quand même assez fort là. Ah, c'est vrai que j'ai du retard quand même au niveau de l'entraînement. Allez, on y va. Écoute, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Oh zut! Oh, j'espère qu'il va pas être empoisonné. Ça passe. Ratata monte au niveau 15. Et j'ai vaincu Gentleman. Tu es mal élevé. Peut-être, si tu veux. Je m'en fous, j'ai gagné plein de sous. Donc là, c'est quoi? Serveur Internet tarte au poire. Bon, aucune importance. Ah, une croisière, c'est tellement romantique. Je voyage toujours avec Gros Doudou, d'accord. Bonjour, je suis sœur de ce bateau. Je vous ferai une joie de vous servir. Ah, l'air du grand art, du grand large, ouais. Ah! J'ai déniché ces Pokémon un peu partout dans le monde. Bon. Voyons voir ce que ça dit. C'est une fillette. Déjà, elle en a deux. 18. Rien d'extra. Ouh là là! Ah, c'est pas mal, hein! Oh la vache! Par contre, elle m'a eu, là. Elle m'a eu, donc on va... Aïe, 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 aïe! Vive attaque, ça c'est pas bon! Ça c'est pas bon, et ça va pas au bout! Il va pas rester grand chose, 4 points de vie, 5. Bon, ça va au bout quand même. Yaouz gagne 200 points, 211 points. Ça va être difficile là. Ça va être très difficile. Alors là, c'est les deux mêmes Pokémon en plus. Seulement là. Allez, catastrophe. Hein. En plus, si je perds de la force et que je tape déjà pas beaucoup, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être un long combat, très long combat. Ça serait bien de le gagner. Voilà, c'est long, très long. Par contre, il commence à me rattraper, il gagne du terrain là, il gagne du terrain. Aïe, 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 encore avec une rugissement. C'est une véritable catastrophe. Aïe, 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 aïe. Le combat est très, très serré. Je crois que je... Ouh, coup critique, ça c'est du coup de bol. Allez, encore quelques coups là, deux ou trois. Ça va être juste. Allez, il faudra peut-être aller au bout maintenant. Oh, ça serait dommage. Oh, si près des buts, ça passe. C'était juste, mais c'est passé. Le tour du monde pour ce résultat, c'est nul. Mais bien sûr. Allez, on continue. J'aime les Pokémon. Et toi? Bah oui, moi j'aime bien. Gamin veut se battre avec un seul Pokémon. Un Nidor. 21. J'ai peur que... Ouh. Ouh, alors là, oui, ça c'était sûr. On va essayer Julio. Regardez ce que ça vaut. Ouh, puissance, ça c'est pas bon. Aïe, 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 aïe. Ouh, ça va pas être très... Ouh, encore une puissance. Ça marche pas. Pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal se passer. Par contre, là, aïe, 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 aïe. Ouh, l'attaque est puissante. J'ai peur que ça marche pas. Non, ça ira peut-être pas. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça va aller au bout? Est-ce que ça va aller au bout? Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Oui. J'ai gagné un bonus de 405 points. Donc du coup, il reste encore combien de points pour monter le niveau suivant? 226.
Nous parcourons les mers du monde entier. Et là, il y a une CT8. Et là, c'est quoi? C'est... Psst! Je suis de l'Interpolis, je suis sur la trace de la tiroquette, chute. Bon. Admettons. Alors, si on va par là, qu'est-ce que c'est? Là, ça, c'est des cuisines. Donc, il y a plusieurs personnes. J'ai vu une boule bizarre dans la poubelle. Bon. Et le mouflet, il y en a qui bossent sur dur, alors dégage. Bon, d'accord, c'est des cuisines. Super Bowl. Un joli tas d'ordures. Quand les renflex, il passe ses journées à dormir et à pioncer. Bon, on a trouvé la petite boule bizarre. Ici, il y a que dalle. Alors, on va monter à l'étage. Ce luxueux bateau accueille tous les dresseurs. Dans chaque port, nous organisons une fête pour les dresseurs. Bon. Ce qui se passe ici. Dans tous mes voyages, je n'ai jamais vu un Pokémon dormir autant. Il était un peu comme ça. D'accord, oui. Ah mince! J'ai réactivé, on s'en fout. Donc c'est Ronflex. D'accord, donc il y en a deux. Ah! Ça y est! Hé, regarde ce que j'ai pêché. Ah bah ça tombe bien, c'est Pikachu, j'en prenais. Voilà, un marin pêcheur veut se battre. Un beau poissirène, magnifique. Pikachu. Une petite attaque éclair. Et ça va aller très vite. Parfait. Ça, c'est fait. 403 points. Ouh, bah ça veut dire qu'on va aller extrêmement vite. On peut monter rapidement au niveau 19 avec Pikachu. Tentacool. Coup critique, c'est très efficace. Aïe aïe aïe, il devient fou. Ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il en s'éclaire quand même, ça va au bout. C'est parfait. Et Pikachu monte au niveau 19. Ça c'est bien. Pas sirène. On continue. Par contre, il est toujours fou. Ah non, il devient mieux. Il se sent mieux. Ouh, ça va très loin. Mimique. Bon, ça perd défense, mais ça ne les affectera pas, puisqu'on est terminé. Parfait. Passirène et KO. Sacha a vaincu pêcheur. Tout s'est bien passé. Ok, je suis fait. Bon, d'accord. Un. Voilà, un petit dresseur de plus. C'est un gentleman avec un seul Pokémon, Pikachu. Oula, Pikachu niveau 23, donc là, attention. Hein. Un Pikachu vive attaque. Oula, là, 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 ça c'est pas bon du tout. Ouh. Aïe, 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 j'ai peur que ça... Alors là, j'ai peur qu'on perde le combat. Hein. À moins que... Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Bon, même si j'ai perdu un peu de vie... Aïe, caille, paralysation. Ouf. S'il est paralysé. Ah non, ça va. Écoute, ça a l'air d'aller pas mal. Ouh. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. Pour paralyser, pour l'instant, je vois pas trop l'effet. Hein. Pikachu KO 400. Et j'ai vaincu Gentleman. Wow, ah ben je me sens en pleine forme. D'accord, tant mieux, moi aussi. Une max. Suivant. Il y a des dresseurs là. Alors, est-ce que j'ai acheté des potions? Je crois pas. Hein. Puis on a plus que. On a guère plus qu'Air Bizarre qui est en forme. Oui, j'ai vu des gens transformer des Pokémon par l'au-delà des eaux. Oui. Les Pokémon peuvent couper les petits buissons avec la technique coupe. Oui, ben ça je sais où elle est.
Allez. Que veux-tu? Un Pokémon costaud ou rare? Je ne sais pas. Un gentleman. Et il fait appel à un canin. Ouh là 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 là. Ça c'est pas bon. Alors là, ça c'est pas bon du tout. On est dans la merde. On est dans la merde. Et oui, parce que là du coup... C'est peut-être ma chance, mais s'il fait un flamme, on est foutu. Ah, il a peut-être pas encore l'attaque flamèche. Oh, ça va peut-être aller au bout quand même. Ah, c'est bon. Ouf. Oh, il m'a fait peur, là. J'ai cru qu'il avait attaque flamme. Il aurait pu me foutre par terre. Ponyta. Oh là là, par contre, Caponyta, catastrophe. Écrasement. Il est encore peut-être un peu jeune pour faire les attaques de flammes. Ah, catastrophe. Alors là, par contre, c'est la catastrophe. Aïe, 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 c'est très efficace. Il faut absolument qu'on s'en débarrasse le plus vite possible. Oui, 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 c'est très efficace, là. Je crois qu'on va perdre sur le Zantan. On va être obligé de revenir après pour continuer l'aventure. Elle va peut-être s'arrêter, là, l'aventure, si ça continue. Est-ce que j'espère que ça va aller au bout? C'est bon. Niveau 23, et bah écoutez, c'est formidable, vaincu gentleman. Bravo, tu es très fort, et oui, c'est très bien. Super moment. Et bah on va faire un petit combat contre cette fille. Je ne t'ai pas vu à la fête, bah écoute, je ne suis pas encore allé. Alors qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle a deux petits Pokémon. Bon, Rattata. En espérant que... Oh là 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 là, c'est vrai qu'elle avait déjà plus grand chose. Alors là, c'est vraiment de la chance parce que on va peut-être s'en sortir quand même. Ça refait. Herbizarre, c'est fait. Deuxième Pokémon, Pikachu. Et bah écoute, c'est vraiment de la chance parce que c'est très épique. C'est pas. Ah là là. Ah là là. Alors là. Ouf. Oh là là. Ça, c'est vraiment de la chance. On a attaqué deux fois de suite, ce qui nous fait qu'on a gagné le combat. T'énerve pas, relax. Ok, ça marche. Du coup, là, on a fait le tour de toutes les cabines, quasiment. Ah, donc là, c'est... As-tu déjà vu le parc safari? À part Manille, on y trouve plein de Pokémon rares. Mon papa et moi, on pense au parc safari. Encore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a deux personnes qui sont là. Capitaine avait l'air tout palo. C'est assez fréquent d'avoir le mal de mer. Bon, d'accord. Donc là, on a fait les cabines. Alors là, il y a Régis. Là, si je vais voir Régis dans l'état là, on est foutu. Donc on va retourner immédiatement. Enfin, je sais que ça va être un peu long et un peu chiant pour vous. Et on va être obligé de remonter en dehors du bateau pour aller chercher... On va aller guérir nos Pokémon et après on va retourner sur le bateau pour la suite et la fin de la croisière Sainte-Anne. Parce que là, vu l'état de nos Pokémon, déjà le combat contre la fillette, là j'ai un peu exagéré peut-être. Ça c'est bon, on continue. Donc là, on va recommencer à donner le pass et remonter à bord. Donc on va aller immédiatement là où on était tout à l'heure. On était passé par là, on était monté là. Ah non, on n'était pas passé par là. Notre capitaine est un maître d'armes, il enseigne à ses Pokémon la technique coupe. Alors on a le mal de mer.
Et c'est parti, un matelot, un marin veut se battre, il fait appel à Machoc. Ah, niveau 17, c'est pas mal. J'aurais peut-être pu passer à d'autres Pokémon que ça. C'est fait. Tentacool, oui, on va appeler un autre Pokémon, on va appeler Julio. Avec l'attaque pic-pic, ça devrait pouvoir le faire. Ah, j'aime pas ça. Ah, je pensais que ça aurait fait plus d'effet que ça. Aïe, 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 aïe. Ouh, ça c'est pas bon l'immobilisation. Aïe, 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 il continue. Ah, ça va être plus compliqué que je le pensais. Ah, les ultrasons, maintenant il devient fou. Aïe, 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 aïe. Ah, ça lance quand même pic-pic. Ça passe. Ligotage, aïe, 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 aïe. Immobilisation, eh oui. Ah là 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 là. Acide. Ah, il devient encore fou. Oh là là, maintenant c'est la folie. Oh bah c'est fini. Julio est KO. Bon, on va s'occuper de ça avec Rattata, avec un croc de mort, ça devrait le faire. Ah non, c'est pas possible. Ligotage. Aïe 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 aïe. Il va absolument qu'on s'en débarrasse. Oh non, c'est pas possible! Immobilisation. Maintenant, ultrason, je deviens fou. Oh non, 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 c'est véritablement catastrophique, là. Là, c'est catastrophique. Il faut absolument qu'on arrive... Oh non, c'est pas possible. Rattata est perdu. On est vraiment dans la merde, là. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 ce tentacool est véritablement incroyable. On est en train de perdre du temps et surtout... Oh, c'est pas possible. Encore ce problème du traçon. Oh non! Putain, c'est pas possible. Oh, c'est la catastrophe, là. On va perdre tous nos Pokémon sur un seul resteur. On n'a pas le temps d'attaquer. Regardez-moi ça, je peux pas faire. Il est fou. C'est pas possible. Oh non. Pff, aïe, 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 c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Et oui, oh. Ah, c'est peut-être... Oh, c'est... oh non. C'est pas possible. Oh, tous mes petits Pokémon sont... Allez, jusqu'au bout, là. Oh, putain. Bon, l'avantage, j'ai l'impression qu'il attaque plus vite, quand même. Hein. Voilà, c'est bon. Genre, la mauvaise, hein. Miaou se monte quand même au niveau 15, du coup, c'est pas plus mal. Et voilà, Sacha avec Humarin. Oh là là, beau combat. Ben oui, beau combat, effectivement, mais... La fête est finie, nous allons bientôt lever l'angle déjà, on n'a rien vu. Hé copain, tu lances un tango, on y va. Aïe 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 aïe. Oh, coup critique, ça c'est pas bon. Oh là là, on va perdre beaucoup de vie hein, sur ce Sainte-Anne. Malheureusement, c'est pas les Pokémon que je voudrais qui augmentent là. Donc, Herbizarre est bien placé pour l'instant. Herbizarre monte au niveau 24. Coquillasse, on va utiliser Pikachu. On va faire monter un peu Pikachu là, niveau 19. On va essayer de le faire monter un peu plus vite. Ah là, ça peut être pas mal. Oh oui. Et donc, il gagne un peu de défense. Comme c'est très efficace, ça va aller au bout. C'est parfait.
Niveau 20, ça c'est bien aussi. Et voilà, Marin est battu. T'es bon. Parfait. Ah, briquer le pont, c'est un travail épuisant. Gueux, je suis malade. Je vais bientôt pouvoir heurt. Bon, ici, on n'a rien gagné. On a fait des combats. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Bon, maintenant, on va aller retrouver Régis. Par contre, avec les Pokémon que j'ai peur que ça passerait pas. Hein. Bon, on a quand même Pikachu. Herbizarre est pas au top. On a Miaouss, mais j'ai pas que ça, peur que ça passe... On avait fait toutes les cabines. Et maintenant, la Régis. Carotte Pokémon, alors que moi j'en ai que 8. Et voilà, donc c'est Régis qui va se battre. Et il a rappelé appel à Roucoups. Ah bah moi j'ai bien fait d'amener Pikachu dans ce cas. Éclair, on y va. Allez, ça va aller vite. Ouh, joli. La tornade est pas mal non plus. Ouh. Allez, alors le premier Pokémon. Oulala, là là, ça fait très mal. Ça fait très très mal, attention. Vive attaque, c'est bon. On va garder les Pikachu, de toute façon j'ai pas trop le choix. Un niveau 16, ça peut... Ouh là là, c'est tout. Ah, bon, c'est bien ça. Bon, ça c'est pas mal, on va peut-être l'avoir en 2-3 coups. Oui, joli. Deux Pokémon en moins. Alors, Kadabra, on va faire appel à Miaouss. Je sais pas si ça va suffire. Entrave, ça marche pas. Morsure. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Faut qu'il résiste un petit peu au choc mental. Aïe, aïe, aïe. Il va bien bouffer, là. Il va bien bouffer. Oh. Oh, c'est Régis pas qu'il disparaît. C'est bon. Il l'a battu. Impeccable. Miaouss monte au niveau 16. Reptincelle. Alors, j'ai peur que Miaouss ne fasse pas du tout le poids. Bon, c'est pas grave. Le peu qu'il a lui bouffé, il lui bouffera. Ça descend quand même, ça descend. Bon, là, c'est fini. Hein. C'est fini. On va faire appel à Herbizarre. Alors, ça va être un petit peu juste. Poudre toxique. Ah, c'est pas possible. Ah, ça marche pas. J'aurais peut-être dû faire une attaque autre que ça. Charge. Ouh. Aïe, 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 aïe. J'ai peur que ça soit foutu, là. J'ai peur que ça soit foutu. Aïe, 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 aïe. Il reste un demi-Pokémon. Ah, oh, puis Pikachu, il a presque plus de vie. On est foutu. On est foutu. Sauf si ça fait un coup critique. Ouh. Un éclair. Encore. Allez, allez, vite, 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 vite. Oh, résiste. Ah non. Aïe, là, 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 là. Ah, c'est fini. Ah, purée, c'est pas possible. Quelle bête, quelle bête, quelle catastrophe. On a encore perdu. Ah, ça, c'est bête. Parce qu'on était bien parti. On était bien parti et je crois que garder Pikachu en premier pour le premier Pokémon de Régis, c'est quand même le mieux hein, pour Roucoups. Donc on va aller chercher. Donc on va retourner voir Régis. Hein. On va retourner immédiatement voir Régis, ça va pas perdre de temps. Je connais le parcours par cœur. Hop. Allez, allons-y tout de suite. Bon, combien contre Régis? Bis. On est déjà à 35 minutes. Si on veut battre Régis et puis après faire l'arrêt de Pokémon, ça va pas être évident.
Allez, le combat contre Régis numéro 2, là ça va aller beaucoup mieux puisqu'on a tous nos Pokémon. Allez, oulala, oula, Régis, t'as changé d'attaque. Il fait un vive attaque à la place de tout à l'heure. Tout à l'heure il avait fait une tornade et maintenant il a commencé avec une vive attaque. Là ça devrait passer. Ouh la vache. Ouh bah c'est peut-être foutu là. Ah oui c'est foutu. Pikachu est déjà KO. Alors on va faire appel à Rattata. On va voir, faut le finir. On va faire un croc de mort. Ah là là, j'espère que ça va pas aller jusqu'au bout. Résiste un petit peu, ça va. C'est bon, allez hop, c'est fait. Bon, du coup, Rattata, on va prendre un bizarre. Foyal. Ah là là. Ah là là, ça va, ça résiste. Allez, tape. Oh, joli. Ah, ça passe. C'est bien, impeccable. Kadabra, on va refaire exactement comme tout à l'heure. Avec Miaouz, c'était bien passé. Très étonnamment, d'ailleurs. Allez, avec Miaouz, ça passe. Téléport, ça marche pas. Miaou, morsure. Oh oui. Un tiers de la vie. Deux tiers. Dernière partie. Entrave. C'est Griff qui a passé. Moi, j'ai fait morsure. C'est bon. Et bon, on va rester avec Miaouz, vu qu'il est plein. Allez, la morsure. Aïe, aïe, aïe. À Flamèche, par contre, j'ai peur que ça bouffe toute la vie. Allons. Allons, c'est bon. Ça passe. Régissement. Donc, ça fait un tour de gagné. Ah, un petit peu moins de force. Ouh là là, coup critique, ça c'est bien. Ça se passe beaucoup mieux que tout à l'heure. Ça se passe beaucoup mieux que tout à l'heure. Je sais pas si c'est Miaouz qui va gagner le combat. Non, malheureusement pas. Avec peut-être avec Nidoran. Ça sera un moindre mal. Griffe. Allez, allez, rugissement. Je perds la force. Peut-être qu'on va passer dans le rouge maintenant. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe, eh oui. Alors on a perdu 20 points de vie. 20 points de vie, c'est-à-dire qu'il en resterait 5 ou 6, 7 même. Aïe aïe aïe, ah là là là, ça sera pas suffisant. Ah, petite potion. Petite potion. Ça c'est pas bon. Ah là 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 là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Aïe 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 aïe. Donc là, Nidoran c'est fini. Il faut qu'on... Bon, avec Rattata, peut-être avec Rattata, avec Croc de Mort. Peut-être qu'il peut le faire. À moins qu'il résiste. Oh oui. Oh, il peut aller au bout, là. Oh, purée la hache. Oh, il reste rien. Il reste un tout trait, un tout petit trait. Et ben voilà. Donc c'est peut-être Julio qui peut s'interminer, hein. C'est peut-être Julio. Avec Pic-Pic. Ah, il peut résister, il peut résister, il peut le faire. Oh, il va largement le faire, même, puisqu'il n'a même pas la moitié, c'est parfait. Reptin, voilà. Ouh, Julio, 15. Impeccable. Il apprend même Fury. Et c'est la victoire contre Régis. Waouh. Au moins, tu t'occupes de tes Pokémon. Bon. Il y a le mettre la technique coupe à bord, mais c'était qu'un vieil homme malade. La technique coupe est très utile. Tu devrais la rencontrer, c'est abominable. La petite musique de Régis. Hop. Et voilà, voici le maître. Capitaine Murph, je suis pas bien. Murph, masse au dos du capitaine. Et voilà, ça va mieux. Et voilà, CS1. Donc maintenant on va pouvoir lever l'ancre, ça veut dire qu'il va falloir qu'on sorte du Saint-Anne tout simplement. Et on va se rendre à l'arène, puisqu'il nous reste un peu moins de 5 minutes. Et bah écoutez, on va quand même tenter le troisième badge. À moins qu'on en reste là.
pas fait chier. La petite musique qui nous dit que le Saint-Anne est parti, ça y est, il n'y a plus de boîte de bateau. Nous allons maintenant immédiatement sur l'île aux Pokémon. Et on va partir direction l'arène. Oui, non, je pense qu'on va quand même aller jusqu'à l'arène, même si c'est un petit peu plus de 45 minutes, c'est pas dramatique. On va tenter l'arène de Carmin-sur-Mer. Donc on va aller soigner les Pokémon. Alors je sais plus quel est le niveau par contre de son Raichu, je crois que ça doit être 27 ou 28. C'est quand même assez élevé. Mais bon, il y a d'autres dresseurs à battre avant le Major Bob. Alors par contre, là, je crois qu'il y a un arbre à couper. Il va falloir qu'on apprenne à classer S-Coupe. Ah, le CS1. CT1, non, c'est CT1. Bon, le CS1, l'air bas. Elle contient Coupe. Alors, qui peut prendre Coupe? Herbizarre et Julio. Alors, on va prendre la Julio. Parce que Herbizarre, je voudrais pas trop lui mettre des CS. Ah non, je... Oh, j'arrête. Oh, j'oublie Pic-Pic. Oh, quel con. Oh, le con. Oh, j'ai fait le con, là. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas dramatique, hein. C'est pas dramatique, on va pas mourir. Donc, Herbizarre passe en dernière position. Pikachu 20, 16, Miaou... Ah, quand même, Miaou 16, hein. Donc, on a eu, on est quand même tous au niveau 15. Je crois qu'il n'y a que des poubelles, hein. Donc là, on va aller battre les trois dresseurs. Un petit Pikachu, 23 quand même, hein. L'écart est quand même assez impressionnant. Donc là, il y aura certainement une grosse pause entre les deux. Parce que si on échoue à l'arène, il y aura certainement du travail. 23, ouais, c'est à mon avis, le Raichu est beaucoup plus élevé. Je sais même pas si c'est pas niveau 30. Je sais pas si c'est... Oh là 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 là, regardez-moi ça. Ça c'est fait. Oh non, même pas! Même pas, même pas, même pas, il est même pas là! Il est mort! Ratata est foutu! Aïe 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 aïe! Oh là là, c'est catastrophique là! Oh là là, il faut absolument qu'on se débarrasse de ça, mais on va pas y arriver, hein! Regardez-moi ça! Allez, petite griffe, ça passe! Niveau 16 pour Dilaurant. Et voilà, Gentleman est battu. Top, t'es trop fort, bah oui. Ah, Nidoran évolue. Nidoran va évoluer en Nidorina, me semble-t-il. Voilà, Nidorina. Donc là, par contre, je crois qu'il y a trois interrupteurs. Il y a des interrupteurs dans les poubelles, mais je sais plus où ils sont. On va trouver ça. Je crois qu'on n'est pas obligé de tuer tous les dresseurs. Hein. Tac. 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 Bon, je crois que... Oh oui, je crois qu'il est là. Hein. Même pas, où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est? On ne dit pas qu'il est dans la poubelle juste en dessous là. Oh
Ah oui, donc il y a... Bah, je sais plus. Je sais plus où il est, le truc. Alors, attends. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit quoi, le gars? Les portes s'ouvrent pas, le major Bob est prudent. Oui, oui. Donc, c'est pas celui-là. Je l'ai ouvert, pourtant. Je suis pas dingue. C'est pas celui-là. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Oh là, puis un dresseur, là. Enfin, je crois qu'on va... On a déjà dépassé les 45 minutes. Donc, déjà... A mon avis, il y a un rocker là, il veut se battre. Voltor niveau feu pour combien? 20. Oh là 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 là. Nidorina. Oh, ah, ils sont quand même. Ouais, il faut quand même qu'on travaille les Pokémon parce que là, on commence à galérer. Hein. On commence à galérer. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je sais déjà plus où est-ce que... Où sont les boutons? Alors ça, ça m'inquiète. Sonic Boom. Aïe, 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 il est fini, celui-là. Allez, Junior, il est à toi. C'est pareil, ça. Aïe, 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 mais c'est pas possible. Ouais, c'est ça le problème. C'est quand on a des Pokémon beaucoup moins... élevé, bah, on perd beaucoup de... Oh là 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 là, Julio niveau 16. Ah, ça va monter beaucoup. Magnéti. Oh bah écoute, non. On va garder ce Pokémon. Ah, c'est pas trop mal, hein. L'attaque charge... l'attaque coupe est pas trop mauvaise, finalement. Je pensais qu'elle allait être plus mauvaise. Oula, il fait un petit coup critique. On va pouvoir quand même le battre, ce dresseur. Bon, je pense pas qu'on aura du mal, hein. Peut-être que... Ah, ça tient. C'est bon. Ça passe. À niveau 17, ça monte très très vite. Hein. Ça monte très 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 vite. On va peut-être le battre avec Mirousse d'ailleurs. Quel artichaut là, c'est... C'était pas une mauvaise idée d'avoir pris, parce que ça monte beaucoup plus vite. C'est vrai que les Pokémon échangés montent deux fois plus vite. Quasiment à 150% de points d'expérience supplémentaires. Donc c'est très très intéressant. Oh là là, par contre, Sonic Boom! Oh la vache! Ça passe. Ça passe. Il vient au spot au niveau 17. Et il apprend Jackpot. Il va gagner plus de pognon. Ah, je suis cuit. Ouais, c'est foutu. Alors, par contre, je sais plus où est le bouton. Donc, c'est-à-dire qu'il faut recommencer. Alors, attends, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il y a comme indication? Oh, je parle. Le Major Bob a caché les boutons pour ouvrir les portes. Quelque part, oui, d'accord. Donc là, évidemment, il reste encore un dresseur. C'est pas un endroit pour les gamins, ici. On bat le dresseur, on ouvre la porte et on arrêtera là. On fera le badge probablement après, parce que là ça va commencer à faire beaucoup. Oui, aïe, aïe, aïe. Oh là là là, quelle erreur. En plus là je fais je sais pas quoi. Wouh! Oh la vache! Oh, c'est dommage parce que là il avait fait un coup critique. Qu'est-ce qu'il me reste comme Pokémon? Ah bah Mirousse peut le finir. Mirousse vient de finir d'ailleurs. Hein. Jackpot. Une pute pognon. C'est presque dommage. Bon bah du coup c'est Pikachu qui va le terminer avec une attaque vive attaque. Ah c'est fait.
21. Allez, ça monte, ça monte, ça monte, ça travaille là. On progresse. On va regarder, il y a encore un Pikachu. Donc là, évidemment, les attaques électriques sont totalement inefficaces. On est au même niveau, hein. Donc là, Pikachu, ça commence à être intéressant. Donc les autres sont beaucoup trop faibles à l'heure actuelle. Allez, jusqu'au bout là. T'es bien, c'est bon. Voilà. Ah, tu m'as eu par surprise. Donc les trois dresseurs sont battus. Il y a une double sécurité, voici un indice. Appuie sur un bouton et le deuxième est à côté. Ah zut! C'était pas celle-là. Oh là 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 là, ça c'est chiant. Je crois qu'on va bien s'amuser. Ah, peut-être. Oh non! C'est pas possible. C'est là, hein. Putain, mais c'est pas possible, il a dit juste à côté. Oh non. Oh non, zut. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est frustrant. C'est très frustrant. C'est horrible. C'est horrible, mesdames et messieurs. Horrible, ce truc de merde. Et ton lutin d'ordure, et oui, joli, miam, oui, 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 on s'en fout, putain. Et... Oh putain, non, allez, allez, oh putain, où est-ce que ça va être? Oh putain, j'ai... Dis que c'est là! Oh putain, j'ai refait la même chose! Mais quel con! Oh, 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 oh! On va passer l'heure. Oh, un bouton! Oh oui! Oh non! Putain! C'est jamais à gauche. Si c'est pas à gauche, c'est peut-être le bouton qui est à droite. Ouais, je vais quand même pas me taper les poubelles les unes après les autres. Regardez-moi ça. C'est n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Et voilà, je m'amuse. Je m'amuse. Là, là. Je fouille les poubelles. Mesdames et messieurs, je fouille les poubelles. Allez, vous allez voir que ça va être les dernières poubelles. Ça va être celle-là. Génial. Je les ai toutes faites. Sauf les deux là. Non. Oh, un bouton à la poubelle, dingue. Allez, dis-moi que c'est celle-là. Oui. Ah, oh, bah écoutez, la porte est ouverte. La porte est ouverte. On a arrêté là. On va immédiatement stopper ici. Parce que là, ça commence à devenir frustrant. Ouh. J'ai bien cru qu'on n'allait pas s'en sortir. Alors, Julio va couper
l'herbe. Voilà. Et on va au centre Pokémon. Avant le combat final. Donc là, on va stopper ici. Sauvegarder. Voilà. On a sauvegardé. Allez. On se laisse là-dessus. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine pour la suite de l'aventure Pokémon Bleu. Salut.